Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une toute petite vidéo. Comme vous avez vu dans le titre, un mini haul action spécial cartonnage. Voilà mes mères. Je voulais pas qu'elles montent. Excusez-moi, j'ai essoufflé. Je voulais pas qu'elles montent parce que je savais que la vidéo, j'en ai pas pour longtemps. Mais elle m'a filé entre les jambes. Elle dit non, non, maman, tu fais une vidéo, donc je monte avec toi. Voilà. En même temps, je suis en train de vous filmer la commode que je suis en train de faire. Donc, vous allez bientôt avoir la première partie, je pense, la première partie de la vidéo. Je ne sais toujours pas si je vous la fais en une seule vidéo ou en deux vidéos. On verra. Là, pour l'instant, je vous montre où j'en suis. Yes. Donc, vous allez dire, j'ai pas beaucoup avancé. Mais, ah non, non, Fifi, s'il te plaît. Si, si, parce qu'il y avait déjà toutes les petites pièces à recouvrir de tissu. Donc, ça m'a pris énormément de temps. Donc, non. Bon, elle va aller par terre parce que je sens qu'elle est énervée ce matin. Voilà. Donc, voilà. C'était un mini, donc, c'est un mini-haul spécial cartonnage. Donc, action. Et je vais vous montrer les tissus que j'ai reçus pour la prochaine commande de cartonnage que je dois faire. Donc, vous voyez, donc, si vous voulez faire du cartonnage, il n'y a pas besoin d'aller non plus dans des sites spécialisés pour avoir le matériel basique. Moi, là, j'avais déjà le matériel, hein, puisque j'avais celui-là. J'avais pas plusieurs cutters, mais il commence à vieillir. Et en plus, bon, celui-là, je ne l'aime pas beaucoup, parce que vous voyez, il faut le tenir tout le temps. Donc, ce qui fait que j'ai besoin d'une force supplémentaire pour tenir le poussoir, pour pas que la lame rentre à chaque fois. Et donc, ça s'amuse plus les poignets. Parce que, bon, déjà, la force de couper le carton. Et en plus, il faut que je tienne vraiment bien. Vous voyez, il faut vraiment que je tienne le poussoir pour couper. Donc, j'en veux plus. Voilà. Et donc, j'ai profité justement que la lame maintenant était usée pour pouvoir en changer. J'ai changé également, je vais vous la montrer la nouvelle, ma règle. Parce que, regardez, vous voyez, elle est complètement usée. Pareil avec les coups de cutter. Donc, bon, je vais quand même la garder. Elle va quand même me servir, hein, quand même. Déjà pour prendre les mesures ou les choses comme ça. Mais là, maintenant, elle commence à être usée et à être un peu ondulée pour faire les traits ou pour couper. Donc, j'en ai racheté une nouvelle. Celle-là venait déjà d'action. Hein. Et donc, voilà. J'en ai racheté une nouvelle. Voilà. Donc, elle est en fer. Et derrière, donc, s'ils ont refait le même modèle, je pense... Voilà, oui, il y a un petit caoutchouc, vous voyez, derrière, qui permet de la stabilité de la règle. Donc, c'est une 30 cm hein, seulement. Donc, vous en avez largement assez pour... mais je vous ferai certainement une vidéo spéciale débutant de tout le matériel à avoir pour le cartonnage. Donc, cette petite règle, elle m'a coûté 67 centimes. Donc, j'ai changé les cutters. Donc, j'ai pris du coup là un set de cutters à 2,49 €. Tiens, ils étaient mis à 3 € et des en rayon. Bon, ben, ils me coûtent 2,49 €, ils me coûtent moins cher. En rayon, c'était 3,49 €. Hop, il y a moins, 1 € de moins cher. Bon, ben, c'est rien, tant mieux. Alors, il y avait deux modèles. Il y avait ce modèle-là, comme j'ai pris, en métal. Et il y avait le modèle en plastique jaune. Voilà, vous savez, les ordinaires. Et donc, j'ai préféré prendre le modèle en métal. Je pense qu'il durera plus longtemps dans le temps que ceux en plastique. Puisque je vous dis, il faut vraiment que j'appuie par moment sur mes créations. Donc là, vous en avez un grand, un plus petit. Et vous avez les lames de rechange. Donc les lames, il y en a... 2 × 5. Il y a 5 lames de rechange dans chaque petit boîtier ici. Donc ça, c'était 2,49 €. Ah, ensuite,
Ça, j'étais contente de le trouver. C'est un couteau repliable. C'est un couteau, mais pareil, cutter. Parce que ça, le voilà. Vous voyez, donc il se replie. Il y a les lames de rechange. Donc, il y a, je ne sais pas combien de lames. Alors, en français, s'il vous plaît. Il y a 5 lames de rechange, plus celle qu'il y a dedans. Donc, ça fait 6. Donc, celui-là se replie pour pouvoir le ranger. Et vous avez même, vous voyez, ici, un petit passant, si vous voulez le mettre au pantalon. Pourquoi pas. Et ça, j'étais contente de le trouver parce qu'on vend ça, mais c'est pas pliable par contre, mais dans les sites spécialisés dans le cartonnage. Et ça, ça coûte 16 euros sur un site de cartonnage. Voilà, en moyenne, c'est 16 euros. Et là, je l'ai acheté 3,79 €. Il n'y a pas photo. Hein. Donc ça par contre il va bien, je l'ai pris pour surtout pour les gros cartons 3 mm ou les cartons bois où là il faut vraiment bien y aller. Donc je suis contente de l'avoir trouvé. Là du coup j'ai fait une économie de 13 euros. Hein. Et puis bon la marque Workman chez Action, c'est quand même des bons outils. Là-dessus, j'ai rien à dire. J'ai déjà acheté pas mal d'outils de cette marque-là pour mon mari à Action. Et il n'y a rien à dire. Ensuite, j'ai acheté un set d'équerre, de règles d'équerre. Ça, c'est pareil. Sur les sites de cartonnage, ça coûte une fortune. Hein, c'est dans les 20 euros à peu près pour une. Et là, j'en ai deux. Voilà, je vous montre. Voilà. Donc là, pour bien faire les angles, vous voyez, pour être bien en angle, vous voyez, comme ici, comme le dessin le montre. Donc vous avez même une petite bulle à niveau sur chacun. Donc là, ça, c'est pas mal parce que c'est bien pour, vous voyez, comme je remonte le dessin derrière, pour tracer ses traits vraiment bien droits. Voilà. Et donc ça, je vous dis, sur les sites de cartonnage, ça coûte une 20aine d'euros. Et là, pour un, et là, Action. Donc, il y en a un qui fait 15 cm, voilà, le petit. Et l'autre fait 25 cm pour le grand. Et ça, j'ai payé 3,99 €. Donc, tout bénef. Voilà. Donc, pour Action, c'est tout. Je vous dis, là, j'ai pris que pour le cartonnage, hein, pour l'instant. J'avais regardé pour les nouveaux dies, bah, ils n'étaient pas là. J'avais regardé aussi les promos, puisqu'on est mercredi. Bon, rien d'intéressant pour moi. Donc, Action, c'était tout. Donc, je suis contente d'avoir trouvé tout ça. Et puis, du coup, bah, je n'ai pas payé cher. Ensuite, je vais vous montrer les petits tissus donc, que j'ai achetés pour les prochains... Comment ? Pour les prochaines créations que je vais faire pour les commandes. Donc le premier, celui-ci, voilà, sera pour faire une boîte shabby. Maria, voilà, j'ai ton tissu, tu vois. Pour faire une boîte sur mesure, pour mettre un livre dedans. Arrête, non, descends s'il te plaît. En plus là, j'ai les tissus, donc je ne veux pas que tu viennes m'embêter. Donc, j'ai ce tissu-là, j'ai celui-ci. Alors, celui-ci, il a eu du bol. J'ai montré hier sur mon Facebook l'enveloppe. Quand j'ai reçu hier, j'étais en colère, même après mon facteur, malgré que ce n'était pas de sa faute à elle. Mais elle aurait pu frapper à la porte, me le montrer et me demander s'il manquait rien dans l'enveloppe. L'enveloppe était complètement déchirée dans tous les coins. On voyait ça dépasser. Et heureusement que la vendeuse me l'a mis dans un plastique parce qu'en plus hier il pleuvait. Mais heureusement le tissu n'a rien eu. Donc voilà. Un tissu beige avec des petites étoiles marron qui va me servir aussi. Alors il va me servir soit pour la boîte, je vais voir, ou soit pour la deuxième.
la couverture de Travel Notebook que la même personne m'a demandé de faire, mais je pense plutôt que ce sera pour la boîte. Et pour le Travel Notebook, alors voilà, le tissu que j'ai eu, je vais vous l'ouvrir. Voilà. Donc pareil, style shabby. La personne, c'est ce qu'elle m'a demandé. Style shabby. Et donc elle veut que je décore la boîte et le... Et la couverture Travel Notebook avec des dentelles, des fleurs, tout ça. Et là, la vendeuse, donc là, j'en ai pris plusieurs coupons parce qu'il me plaisait bien. Et la vendeuse m'a remis un coupon en plus. Rose unie, comme ça. Donc, je suis contente. En plus, il va super bien avec celui-là. Donc, ce serait bien. Alors, ça, là, cette vendeuse-là, où j'ai eu ces tissus-là, ces trois tissus-là. C'est sur eBay. Elle s'appelle Comme autrefois, avec un K au début. Je vous l'ai déjà parlé plusieurs fois. Je vais presque toujours chez elle. Et elle livre très, très rapidement. Et puis, vous voyez, quand elle est... Tout est vraiment très, très bien emballé. Et c'est pas trop cher. Bon, c'est le prix hein, des tissus sur eBay. Et là, par contre, j'ai plus le nom. Attendez, est-ce que je l'ai là? Non, je n'ai pas là sous la main. Ben non, j'ai jeté l'enveloppe, je suis bête, puisque l'enveloppe était morte. Là, je ne saurais plus vous dire qui c'est. Mais bon, si vous me le demandez en commentaire, je vous dirai. Donc voilà. Donc là, les coupons de tissu en moyenne coûtent entre 4,95 euros et 5 euros. Donc souvent, c'est des coupons qui font... 50 cm sur 45 ou sur 50, voilà. À part les roses, là, elles sont un peu plus petits. Et donc, ils étaient un peu plus chers, malgré qu'ils étaient plus petits, mais bon, ça va. Bon, mais c'est pour ça que je pense que j'ai eu en cadeau un coupon de tissu supplémentaire. Donc voilà, c'était une toute petite vidéo. Ben, je voulais vous montrer mes petits achats pour le cartonnage aujourd'hui. Ben, il n'y en a pas eu beaucoup, hein. Et on se retrouve de façon très rapidement. J'espère que demain je pourrai vous sortir déjà une vidéo pour la commode. Et j'espère, bon, de toute façon, normalement elle sera terminée cette semaine. Demain je ne suis pas là, je vais à mon rendez-vous pour Pôle emploi. Pas envie d'y aller, mais alors vraiment pas. Mais bon, on est obligé, hein. Avec eux, c'est pas nous les chefs, hein, c'est eux. Donc demain j'ai mon rendez-vous à Pôle emploi, demain bah, toute la matinée, et donc je verrai. Donc je ne pense pas que j'aurai le temps de faire une vidéo demain, peut-être demain après-midi, je verrai. Voilà. Allez, je vous fais des gros bisous à toutes, on se retrouve très rapidement pour de nouvelles aventures et de nouvelles vidéos. À bientôt, bisous bisous.